Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où on vous emmène en dehors de Toronto à la recherche de fraises. De temps à sortir de la ville parce que l'autoroute est fermée, l'autoroute que vous voyez toujours dans mes stories sur la terrasse chez monsieur. Et donc le premier arrêt pour une pause pipi, c'est pour prendre un truc à boire au Starbucks. Et je peux dire officiellement que la saison des road trips a recommencé puisque les toilettes sont de nouveau ouvertes dans les Starbucks. Parce que sur les derniers mois, c'était toujours un petit peu la galère dès qu'on bougeait un petit peu d'aller aux toilettes. Donc je suis bien contente. Beaucoup d'eau, tu vois. Ça allait. Parce qu'à chaque fois c'est chiant. On est en train de faire le point sur l'état de nos vessies. Parce que les derniers mois sans toilette ouverte nulle part, c'était vraiment la galère. Donc t'es obligé de compter ce que tu bois et de faire attention à ce que tu bois. On va voir comment ils ont écrit le prénom d'Alix sur la table. Merci. Thank you so much. Tu t'appelles comment aujourd'hui? Alex. Et toi tu t'appelles comment? Astrid. Et moi en fait ils lisent sur l'application en fait. Moi, ils lisent sur l'application, donc c'est pas compliqué. Je suis partie à la recherche de fraises avec Alix. Donc regardez ça. Hein. Je vais mettre d'autres vidéos, mais en fait, on peut venir ici. C'est à 1 heure de Toronto à la base. Nous on a passé 2 heures dans la voiture parce que le GPS nous a fait tourner en rond et on va ramasser nos fraises. Enfin il n'y a pas des fraises. Il n'y a pas de fraises. Depuis tout à l'heure dit qu'on va ramasser des fraises, en fait c'est des... Blackberry, non? Qu'est-ce qu'il a dit mec? Raspberry, blackberry je crois. Hein? C'est l'Ardèche là. C'est pas comme un chien ça vient. Ah non c'est un cochon. Cinnamon. Il y a aussi Spotty si tu veux. Ah, il regarde là. Un mois, 4 ans. Tu peux appeler Norbert, il a un mois. Norbert. C'est gentil les chèvres. Bien. Il y en a de partout en Ardèche. Moi je veux un bébé. Bébé Norbert. Norbert. La femme qui parlait à l'oreille. Des chèvres. Oh, regarde le bébé. Ah, ça c'est pas un bébé. C'est pas Norbert, c'est sûr. Est-ce que tu vois, elles font le spectacle pour que je leur donne à manger? On a des paniers qui sont toujours vides. Regardez, les gens, ils ont plein de blueberries. On avait passé des heures avec plein de fruits. Nous, on a rien du tout. Oh, there's a strawberry. Ah, celui-là, la dame, elle a l'air de savoir où elle va. Apparemment, là-bas, c'est pour les fraises. Là-bas, c'est les framboises. Mais c'est immense. J'avais peur qu'on attende longtemps pour faire la queue, mais en fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de place, donc ça va. Bah, ils ont dit qu'elles étaient. Oh, il y en a là-bas. Ils ont dit qu'elles étaient. C'était la fin quand même. Hein. J'ai perdu Alix dans le champ de fraises. Elle est là-bas. Ça y est. Je crois que l'année prochaine, on la voit dans l'amour et dans le pré. On a fait le plein de fraises, mais on a laissé un peu de place parce qu'on peut aussi avoir des blueberries. Je sais même pas comment ça se dit en français. Mûres. Des mûres. Et aussi, après, je crois qu'il y a des framboises. On n'a pas été... On a pas eu un grand succès avec les framboises. On est vraiment des débutantes parce qu'en fait on n'a pas du tout trouvé les bons rayons. Les bons rayons, n'importe quoi, les bons plans. Et on a dû demander à une dame où c'est qu'elle avait trouvé plein de murs. Effectivement là, il y en a plein.
une vidéo de toi. Dans tous mes vlogs, il y a toi qui est là. Tu me prends en photo. Tu vas rester habiter là, Alix? Oui, mais avec Cinnamon. Ah oui. C'est ton meilleur ami maintenant? Tu crois qu'il mange des blackberries, les Cinnamon? Bah, je pense que c'est un cochon, il mange tout le cochon. Oui. C'est parti! Mais je pense que c'est comme un cheval, tu mets pas ton... Ah, elle vient là. Attends, je mets la main. Oh, je sais pas. Oh, c'est mignon. Je vais envoyer ça à Martine. Attends, et venez les bébés. Bébé chèvre. Norbert. Mon bouton, il est pas du tout le même qualité. J'arrête de bouffer Nutella et chocolat. Nutella et chocolat. En fait, c'est Nutella et chocolat. J'avais un truc avec Nutella et chocolat. Ah, mais t'as même des fruits et des légumes. Ça sent tellement. Ça sent le cinnamon. Je sais pas où on va. Mais pourquoi les gens? Hi. Hello. Bon, bah, au moins, on s'est fait un copain qui a 4 ans et demi. Bon. Ah, attention hiker, attention biker. Donc, il faut qu'on choisisse lequel on veut faire, quoi. Bah, en fait, il faudrait le best. Tu vois, hiking. Moi, je difficulte, je sais que c'est pas. Mais c'est pas pour les... J'ai l'impression que c'est pour les... Comme ils disent rider. Ah mais what bike? Ok, c'est pas du tout. Best for hiking shared use trail. Mais en fait... Je comprends pas. On prend quel hike? Mais je pense qu'on va prendre le bleu, non? Par hasard. Ah non, c'est mort difficile le bleu. Mais celui où on va avoir de la vue, non? Lookout. Je sais même pas où on est en fait. C'est là, 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 on est là. Ok. Manu time. Ouais, parce que t'as seulement 2 heures hein, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas qu'on oublie, il faut qu'on parte à l'heure. Ouais, sinon on va se faire. Enlever. On va jamais. Non, on va jamais me donner ma citoyenneté si je veux. Ah non, tu vas voir, tu vas aller en prison, ça va être dans ton temps. Moi, je vais être renvoyée du Canada et on me dire. Mais c'est quoi, c'est un lac artificiel ça? Bah, je crois. Parce que là-bas on dirait quand même que c'est. Ouais, mais ils disent que c'est un rehabilitated area. Ah oui, parce que je vois que c'est pas. I've been in your waters. Been looking at your door. On est monté. Bon, en fait, c'est pas super haut non plus. Bon, c'est haut si on tombe, hein, évidemment. Mais là-bas, c'est Toronto. C'est Alix qui a repéré, pour moi je vois rien. Là, c'est une zone industrielle. Et là, ça fait un peu peur quand même. Non, je vais pas tomber, promis. Mais je vais montrer avec ma caméra. Franchement, j'étais en train de me poser la question, de me dire, mais en fait, c'est où? Bah, si, parce que j'aurais demandé, vous venez d'où? Ils m'ont dit Main Entrance. Donc, ils venaient du même que nous, hein? Bah, c'était la Main Entrance, non? Enfin, je sais pas. C'est trop joli. En fait, on a mis un moment à trouver cet endroit-là.
Et jusque là on n'était pas impressionné, on trouvait que c'était sympa, mais on n'était pas impressionné, mais là la vue est quand même beaucoup plus sympa.